Et hey, ohayo minasan, c'est Gunshow. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Et ouais, c'est mon premier, enfin, bref, de collectionneur, on va dire, entre guillemets. Parce que j'ai jamais fait cette chose-là. Donc voilà, donc là, c'est suite à la Bordeaux Geek Festival. C'est écrit là, ici. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit truc comme ça. C'est ma première fois, donc... Voilà, après je sais pas comment faire le déroulement de ceci. Donc voilà, donc alors, comme c'est dans le petit texte, c'est un petit katana. Donc après je ne sais pas vraiment de quel petit katana ça... Parce que là c'est dans la petite boîte là. La petite boîte, voilà. Bon là il y a un bon petit scotch, le vendeur l'a bien scotché. Donc on va essayer d'enlever tout ça, hein. Oui. Donc voilà, donc après je sais pas si c'est un tanto ou un truc comme ça, je crois que j'ai vu sur internet. Bref, donc voilà, donc j'espère que voilà, ça le fait. Ça le fait, je vais pouvoir couper en fine lamelle mes ennemis. enfin j'espère. Ouais. Désolé aussi pour la qualité de ma webcam, hein. Elle est pas vraiment énorme quand je la grandis en grand. Ouais. Donc voilà, alors là, le petit carton est fini. Voilà. Donc voilà le petit... On va dire petit katana. Voilà. On va le sortir de son petit... Hop là, emballage. Donc voilà, la caméra, tac 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 tac. Voilà le petit katana. Ouais. Donc voilà, je l'ai payé pas trop cher, je le trouve. Ouais, de toute façon, ouais, c'était à la base, j'ai acheté 15€. Donc je trouve que voilà, c'est sympathique. Ok, d'accord. On va éviter de se couper, hein. Non, ça coupe pas du tout. Donc voilà, si la petite lame, voilà. Franchement, il est bien stylé. J'aime bien. J'aime bien. C'est mon premier, on va dire, coupe-papier que je me suis acheté. Parce que à chaque fois, je me dis dans les conventions, je vais m'en acheter un, je vais m'en acheter un. Et là, j'avais des sous, donc j'ai fait en sorte de me l'acheter. Donc voilà, j'ai réussi à acheter ceci. Bon, après, je sais pas, il y a du... Ouais, ça doit être un truc... pour protéger la lame, je pense qu'il est dessus. Donc voilà. Ouais, c'est un truc. le mec qui sent. Genre. Donc voilà. Donc on va ranger ça dans son petit fourreau. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon petit. Mon petit grain de folie que j'ai fait à la BGF. Et aussi, il n'y a pas que moi qui a du moins acheté ceci. Donc voilà. Donc je suis pas le seul à repartir avec ça. Bon, après, je sais pas. Mais je crois que c'est interdit de cosplayer avec. Donc après, je sais pas. C'est plutôt la collection pour les yeux, on va dire, entre guillemets. Dommage que j'ai pas acheté un repose. C'est un repose sabre. J'aurais peut-être pu m'en acheter un, mais bon. Enfin, je verrais peut-être pour une autre convention. Je vois plus. Pas dans l'immédiat, mais peut-être dans quelques mois à Animasia qui est à Bordeaux. Donc là je pense que là je pourrais faire vraiment une grande vidéo dessus et tout montrer enfin c'est le petit endroit qu'on aura. Mais est-ce que là en fait pour la vidéo du BGF ça aura juste des photos donc voilà. Donc je sais pas. J'avais pas de on va dire de caméra, mon téléphone n'est pas vraiment très super bonne qualité. C'est un vieux téléphone. Donc voilà, ça c'est. Mon petit sabre, donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc likez, partagez, et j'espère que dans un avenir proche, je ferai d'autres vidéos de ce style. Donc voilà, ça c'est ma première quand même. Je suis content d'avoir acheté quand même ce petit sabre. Franchement j'aime bien. Bien stylé là, j'aime bien. C'est... Voilà. Donc je vous dis à plus tard pour une autre vidéo, c'était Gunshow. Bye bye.